il y a des nouveaux chez la pipe. Bienvenue pour un nouveau bavada, bavada, bavada. Dans le bavada, sinon, apprécie d'abord ma culotte sexy de nuit. Je sais pas si je vais la jeter un jour. Je viens me réveiller comme ça. Je me dirige directement à la cuisine où je chauffe l'eau pour la nourriture de l'enfant. Oui, vous avez bien compris, il ne t'aide plus. Mon bébé a grandi. Les wey de Shein, pyjama que j'avais acheté. Si tous mes signes ne sortent pas dans la vidéo, si je ne veux pas comprendre en français. Donc pendant que je me mousse en cuisine comme ça, Monsieur Pim profite une fois pour aller chercher son fils. Pendant la prise là, vous avez l'impression qu'il est tout peace, il est tout love. Mais en temps normal, les cris de chat. Donc quand je finis comme ça, je le prends pour que le père puisse aller s'enregistrer sur son laptop. Vu qu'aujourd'hui, il a home office. En train de travailler là, il a home office aujourd'hui, c'est sa dernière journée. Bienvenue dans un nouveau vlog. J'appréhende toujours les moments où Monsieur Pimp quitte la maison parce que du coup je me retrouve avec deux enfants, deux petits enfants. Souvent je ne sais pas comment gérer, souvent je ne sais pas comment je vais me comporter, souvent ma tension monte à un pic que je me demande si c'est vraiment moi Pimp quoi. Les deux grands sont partis en vacances depuis la semaine passée. Je vais vous montrer un peu comment je gère lorsque le père s'en va. Nous sommes mardi et il prend la route aujourd'hui à 15h56, si je ne me trompe pas. Et à partir de 16h, je serai quasiment seule à la maison. Aujourd'hui, c'est mardi. On a deux rendez-vous très importants. Réunion de parents d'élèves pour mon dernier marché. Vous connaissez bien de qui je parle, de qui. Il faut que j'arrête de l'appeler mon dernier marché. Aussi, il y a le vaccin du dernier qui a lieu aujourd'hui à la même heure. Donc ce qu'on a décidé, le père et moi, Dieu merci, il est là. S'il n'était pas là, c'est que j'allais repousser carrément le termin des bébés. Monsieur Pim va aller avec le petit et moi, je vais aller avec Kiki à sa réunion de parents d'élèves. Donc je vais aller la réveiller comme ça, je ne sais même pas quelle heure il est. Lorsque je vais la réveiller, elle va prendre son petit déjeuner et ensuite on va filer ensemble à l'école. Bon, si je ne réveille pas ma grand-mère comme ça, elle va dormir jusqu'à après demain. Je monte moi vite fait, je m'en vais la chercher. Seulement pour aujourd'hui, hein, je vais la déshabiller en bas, je vais l'échanger en bas. Donc je change la couche, je la mets bien au propre. Déjà en haut, elle a brossé les dents et j'ai lavé sa face, tout est nickel. Donc elle finit comme ça, je la pose extra comme je vous ai raconté là. Je la pose une fois sur sa chaise et j'attends. Bon, parce que j'avais remarqué que quand j'habillais la petite, le petit était avec son père et il était en train de déranger. Je me suis dit, mieux je prends l'enfant là-haut. Faut pas que le chef là commence à comprendre beaucoup les bruits dans ses oreilles. Et après, on licencie mon mari. Donc, j'ai moi repris mon enfant, coulait la morve. Et le père a profité pour aller travailler in peace en haut. Donc, vu que le bébé est calme, je profite une fois pour faire la nourriture de ma grand-mère. Bon, la meuf n'est pas compliquée, hein. Je lui ai donné un morceau de les waffles, les gaufres qu'on vend à Lidl là. Des fois, elle tape 3 en un coup. Des fois, elle tape 2. Donc, je lui ai donné cette fois-ci 2 avec un peu de yaourt. Et vous connaissez les filles. Donner la nourriture aux filles, là, c'est trop compliqué. Il faut toujours que tu la flattes et tout et tout. Donc, c'est ça qui est en train de faire dans la vidéo, quoi. Sinon, elle ne peut pas accepter. Des fois, tu lui donnes même quelque chose. Elle serre la bouche comme ça, comme si tu avais pété devant elle. Mais après, elle prend. Elle peut terminer 4 par la suite. Bon, là, la petite est en train de manger. Elle ne dérange pas. Le petit également, j'ai jeté un coup d'œil sur lui. Il ne dérangeait pas. Il était pisse. Il faisait sa vie. Donc, je profite, vu que le père est en home office avec son chef en haut. Je l'aide déjà à rassembler les effets. Parce que si tu ne veux pas comme ça, l'homme va sortir de la maison. Il va croire que tu as tout fait. Et c'est en plein milieu qu'il va dire, hey, la mère, tu n'avais rien rangé. Donc, mieux je range moi les bêtises tranquillement, simplement pour qu'il n'y ait pas le bruit dans mes oreilles. Donc, je vérifie s'il y a le carnet de vaccin, s'il y a son carnet pour le médecin également et s'il y a sa carte d'assurance. Je rajoute un biberon chaud que j'ai préparé à l'avance. Je mets ça dans une sorte de boîte thermique comme ça qui va garder ça bien au chaud. Et ensuite, je m'assure qu'il y ait des lingettes et des couches et un habit de rechange. C'est tout. Ancienne maman, là, il n'y a rien. Et en passant, j'ai oublié de remettre dans le sac de l'enfant sa crème pour les gencives. Lorsqu'il a la poussée dentaire, là, il gringe beaucoup et ce produit calme vraiment.
Bon, là, c'est fini. Je jette encore un coup d'œil. La petite, elle va bien. J'ai juste oublié de lui mettre un peu le bavoir de peur qu'elle ne salisse ses habits, vu que je l'ai déjà habillée en mode direction pour l'école. Donc, j'ai pas envie de l'échanger. Ce mal de tête-là, pas aujourd'hui, quoi. Donc, je mets son bavoir. Je guette encore. L'autre petit, il va bien. Il est en train de faire sa vie. Je continue et là, je m'attaque à mon sac. Je vérifie ce que je dois mettre dans le sac parce que j'ai prévu de faire les courses après. Je m'assure à mettre un sac de courses dans mon sac. Je contrôle si toutes mes cartes sont présentes. Ouais, les cartes sont présentes. Et aussi, je n'oublie pas ma caméra parce que j'ai décidé de vlogger aujourd'hui. Il ne faut pas que je fasse les choses un peu à moitié. C'est pas bon. Enfant dans la voiture, avec le père, hein, j'ai toujours peur d'être en retard parce qu'il est chef, retard. Retard d'atteindre non-stop. Il n'y a personne, tu peux passer. Bon, là on est arrivé au... Grand-mère, pardon, viens, je t'aide à sortir. J'amène ma fille à l'école. Comme vous voyez là, on marche couillon, jusqu'à arriver à l'école. Et comme toujours, vous la voyez là comment elle gesticule. Elle est toujours fière d'arriver à l'école. Toujours, franchement, j'ai même vu un enfant pareil, mais elle, c'est son kiff quoi. Donc, pendant que les encadrices la prennent pour aller dans la salle, moi, on me conduit dans une autre salle. Et là, je vais arrêter puisque c'est devient privé. Là, je sortais ma tête chauffée. Je sortais ma tête chauffée parce que ce qu'on m'a appris, ça m'a pas du tout plu. Une fois arrivé à la maison, on s'est rendu compte qu'on avait reçu un paquet. Malheureusement, c'était pas le mien, c'était celui de M. Je viens de rentrer de la réunion des parents d'élèves. Ce que vous ne savez pas, depuis que ma petite est née, depuis 2 ans aujourd'hui, c'est qu'elle ne parle pas et elle est dans son monde quoi. Elle ne parle pas, elle a le problème de langage comme Jaina et j'ai un peu peur que ce soit plus prononcé que le problème de Jaina. Ce que j'ai remarqué, c'est que Kiki, elle est dans son monde et elle a son tic. Ça veut dire que lorsque elle décide qu'elle doit manger, elle mange. Si elle ne veut pas manger, tu as beau faire ce que tu as fait, la meuf, elle ne mange pas. Alors que si elle a décidé qu'aujourd'hui elle va manger, quoi qu'il advienne. Prends un simple exemple. C'est une meuf qui a toujours détesté l'eau. À chaque fois que j'ai voulu laver Kiki, c'était un match. C'était tellement difficile de la laver au point où je faisais une prière. Je demandais à Dieu de m'aider. De m'aider vraiment à me contenancer. Le jour après son 2e anniversaire, j'ai décidé de lui faire prendre un bain. Et là, j'avais appelé le père. Lui, déjà, il n'était même pas à la maison, mais il stressait de ouf. Et moi, il a fait 5 signes de croix. Pardon, Seigneur. Et j'avais l'impression que ma fille était le sel, quoi, à la limite. Elle ne supportait pas l'eau. Mais c'est quelqu'un, elle voit une flaque d'eau, elle va mettre ses mains à l'intérieur, elle va jouer des heures et des heures. Mais prends-la, tu la mets dans l'eau. Non, c'est un autre défi. Elle va crier. Elle va... La meuf, dans toute sa transpiration, dans toute son anxiété, je prends ma petite fille, je vais la mettre dans le, dans la baignoire. Je vois, elle ne réagit pas. Elle est sereine. Je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille? Encore avant-hier, elle a pris son bain. C'était la catastrophe ici. Et où je prends le truc pour qui fait sortir de l'eau là. L'eau, je jauge un peu la qualité de l'eau, si c'est trop froid, si c'est trop chaud. La meuf ne réagit pas. Parce qu'en temps normal, je vous assure, elle devait être en train de ramper sur les murs comme le chat quoi. Elle ne réagit pas. Et après, je prends l'eau, je verse sur elle. Elle me regarde, je la regarde tout droit dans les yeux. Je me demande, c'est ma fille? Même chose pour quand elle faisait elle passait la phase à l'école maternelle, la phase de Eindhoven. C'était difficile au début, c'était difficile au point où Monsieur Pimp et moi on avait décidé d'arrêter carrément, que ça pouvait plus, que ça n'allait plus, que ça ne pouvait plus continuer comme ça, que c'était juste catastrophique. Mais le lendemain, après qu'on ait pris cette décision, la meuf, non, elle est tellement contente d'aller à l'école que nous-mêmes, les parents, on s'est regardé like. On est en train de vivre un film hindou ou bien c'est la réalité. Je me suis dit, Pimp essaie de relativiser, c'est pas un premier problème, ça va se faire. Mais quand on me met le drôle à l'extérieur,
Ça me stresse quoi? Je sais pas, j'étais en train de faire une prise et sur le coup, j'ai raccroché parce que j'ai reçu un appel. Les enfants vont flipper de joie, les enfants vont. Oh, surtout Cocotte, elle va éclater de joie quoi. Elle est... Moi également, en tant que parent, déjà, je vous parle comme ça, mais je suis tellement contente, quoi. Je suis trop contente. Je suis à la limite. Je vais vous montrer ça dans un autre vlog. Je ne peux pas vous dire encore maintenant, mais dites-vous que je suis en train de chercher les maillots pour les enfants. Et dites-moi en commentaire de quoi il s'agit. Quelle est la bonne nouvelle que je vais annoncer aux enfants? Dites-moi. Allez, j'ai oublié de prendre la poussette. C'est comme ça, ça m'arrive constamment. Quand c'est là, je sors moi mon petit sac à course et je mets tout ce que j'ai besoin à l'intérieur. Bon, comme vous voyez là, j'avais reçu un coup de fil et je profitais une fois pour causer avec la personne, faire un genre. Après, lorsque tous mes achats ont été pris, tout ce que j'avais besoin, je me dirige en caisse. Et avant d'arriver à la maison, parce que je déteste lorsque les cartons là sont remplis chez moi, je remets tout ça dans le supermarché que j'ai fait. Donc, j'enlève tous les cartons, même cartons de sucette. Je ne veux pas voir un truc dans ma poubelle. Déjà, on est nombreux comme ça. La poubelle, là, je la vide au moins 3 fois la semaine. Je vais encore porter les trucs des supermarchés Lidl, Netto. Et non, je vide ça avant de rentrer chez moi, comme ça. Vu que je suis encore avec le père... Je vais profiter de vous expliquer vite fait, bien fait, ce qui s'est passé quoi. Aujourd'hui, on va sur 28 degrés et déjà à 15h. Donc, permettez-moi de baisser les volets pour que les enfants au moins puissent avoir la possibilité de bien dormir la nuit. Je vous ai raconté un peu la première partie et comme je disais sur les réseaux sociaux, je n'ai pas pris la peine d'expliquer ça parce que déjà de 1, je ne voulais pas me stresser personnellement. De 2, je ne voulais pas que vos remarques me stressent parce que disons-nous la vérité, c'est stressant quand même. Et de 3, je voulais travailler, c'est un processus que je voulais travailler personnellement, pas aussi étalé. Et de 4, parce que j'ai déjà eu à vivre une situation similaire où j'ai eu à demander votre aide. Vous m'avez aidé, grand merci pour ça. Le mot maman, elle le dit pas constamment, mais vous suivez déjà l'intonation maman qui sort de sa bouche. Et aussi, elle dit non en allemand, pas en français. Elle dit non qui veut dire nein. Donc, des fois, c'est aussi rare, elle dit nein, nein, nein. Elle a eu 2 ans, ça fait même pas... un mois. Du coup, ce n'est pas facile, surtout pour les encadrices, d'élever ce genre d'enfant. Et en ce moment, c'est le Eingewöhnung d'autres enfants. Si tu me suis et que tu travailles dans les écoles maternelles, tu sais explicitement de quoi je parle. Donc, en ce moment, les encadrices sont un peu überfordered parce qu'elles doivent s'occuper des nouveaux bébés qui viennent d'entrer à la crèche, qui veulent entrer à la crèche et aussi ne pas perdre l'œil sur les anciens bébés. Elle est dans une phase de grosse jalousie. Entre Kiki et le garçon, il n'y a que 20 mois. Donc, Kiki prend la chose vraiment différemment. Elle se bloque. Elle essaie d'être dans son monde. Quand tu lui parles, elle ne fait même pas comme s'il y avait quelqu'un qui était à côté. Des fois, tu viens même devant sa tronche, tu lui parles, mais elle ne te répond pas, elle ne te regarde pas. Elle ne fait même pas comme s'il y avait quelqu'un à côté d'elle, quoi. Elle est dans un monde avec plusieurs petites tuiles, plusieurs petites portes. Dans des moments comme ça, elle se décide à ouvrir une porte. Elle n'a pas besoin que tu la supplies pour ça. Elle n'a pas besoin que tu montes des escaliers, que tu pries tous les dieux. Lorsqu'elle va se décider, elle va ouvrir cette porte. Et c'est la porte du Eingewöhnung, du kindergarten, qu'elle a eu à ouvrir. Je vous ai expliqué quand je partais faire les achats. La porte pour prendre le bain, elle l'a eu à ouvrir lorsque son temps est venu. Et il y a plusieurs petites portes comme ça qu'elle ouvre lorsque son temps vient. Maintenant, pour la parole... c'est un peu difficile pour elle parce que là, elle prend son temps. Il y a plusieurs Sprache ici qu'on parle. On a plusieurs langues. On a le Yemba, ma langue maternelle et la langue maternelle du père. Il y a le français, il y a l'anglais et il y a l'allemand. Donc, lorsqu'on se rend compte que l'enfant commence déjà à avoir un petit retard, on essaie de se séparer de certaines langues et plus se concentrer sur une seule langue qui est l'allemand. J'ai pris le rendez-vous. Dieu merci, cette semaine, on m'a donné un rendez-vous pour elle. Donc, vendredi, je vais aller là-bas.
avec le petit. Et je ne sais pas encore comment ça va se passer avec Diane et Cocotte qui seront à la maison. Ça sera un peu chaud. Même pas un peu chaud, ça sera même très très chaud. Je ne sais pas où je vais mettre les enfants, je ne sais pas comment est-ce que je vais gérer 4 enfants dans un rendez-vous où franchement il faut la concentration. Et avec le bébé qui est là, c'est un peu difficile de me concentrer exactement sur elle, de prendre les mesures que j'avais prises chez Kiki sur elle, parce qu'il faut aussi que mon attention soit tournée chez le dernier. Et vu que le père n'est pas là, ça rend la chose un peu plus difficile. Je suis sûre que lui là-bas, ça le ronge. Ce sera à moi de gérer tout ça seul. Et je prie vraiment le Seigneur de m'aider par rapport à ça. Donc je vais essayer de me calmer, je vais essayer d'être le moins anxieuse possible. J'ai déjà eu un rendez-vous, thanks Lord pour ça. Dans tous les cas, j'ai fait les achats, ce que je voulais faire absolument avant que le père ne parte. Je ne sais pas si je vais vlogger encore. Oui, je vais vlogger cette journée lorsque je vais aller accompagner le père. Je vais vous montrer un peu en soirée comment je gère. Croisez les doigts. Alors je vous parlais là, bébé dormait, maintenant il s'est réveillé, je lui ai donné une moitié de banane. Est-ce que j'étais même que mon bébé marche déjà dans la cour des grands? Il a terminé demi-banane comme ça, c'était même plus de la moitié de la banane, propre, sans vomir, sans faire gne 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 comme ma fille. Franchement les garçons, lorsque tu les donnes la nourriture, tu as le goût quoi. Lorsqu'il a fini de manger comme ça, j'ai profité pour l'échanger parce que quand quelque chose entre l'autre sort, c'est naturel. J'ai profité pour lui mettre un petit t-shirt. C'est vrai qu'il faisait super chaud, mais bon, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Hein. Parce qu'avec les enfants comme ça, les températures, il faut faire attention. Pour essayer de manager un peu le temps, hein, ranger un peu la maison, j'ai profité pour le placer dehors. Qu'il regarde un peu son père travailler, qu'il me laisse ranger la maison et puis que je puisse avancer quoi. Avec la chaleur là, je me suis rendu compte que le père et la personne qui nous aidait n'avaient pas d'eau à boire. Donc je me suis dirigée avec bébé au dos cette fois-ci pour les donner à boire parce que le type avait besoin de dormir. Quand je dis le type, je veux dire mon garçon. Une fois que le petit s'est endormi, je l'ai déposé au lit et j'ai profité pour faire la valise de Monsieur Pim. Question de ne rien oublier parce que là, on tendait déjà vers les 14h. Et qui dit 14h dit s'apprêter pour aller chercher ma grand-mère à l'école. Oui, depuis tout le temps là, elle était toujours à l'école. Seigneur, c'était la course. Je suis allée chercher ma fille. Vraiment, Knapp de chez Knapp. Désolée, mais c'était la clim qui était en train de passer. Je suis arrêtée là, j'attends que le train passe. Et ouais, Monsieur Pim était censé quitter de la maison à 15h, 16h moins, mais je crois pas qu'il va le faire parce qu'il y a tellement de travaux encore dans la maison, comme par exemple les lamelles qu'on était en train de mettre autour de la clôture pour éviter le voisin, le tueur, de nous regarder parce qu'on a un voisin là, un grand-père qui est chiant. Il nous énerve, vous n'avez pas idée quoi. Attendez, je dois me remettre en route. Après être rentré à la maison, c'était le temps de Monsieur Pimp de prendre la route. Bien évidemment, vu qu'il était en train de prendre sa douche, j'ai profité pour mettre déjà ses valises dans la voiture. Question qu'il n'arrive pas en retard, question qu'il ne rate pas son train. Déposer et comme il s'est vite roulé, il roule toujours en partant et c'est moi qui prends la voiture pour rentrer. Donc on se revoit encore dans quelques jours. Je vais essayer de voir comment faire tout seul sans lui comme d'habitude. C'est ce que je fais depuis des semaines, des mois déjà aujourd'hui. Quel guerrier le père, ça c'est une insulte. Quelle faute, normalement tu devais être avec moi. Mais on n'a pas le choix, chacun fait sa part de job. Tu vois, c'est bon. Bon, j'ai déposé, il est là-bas à la gare, en train de partir. Voilà la journée qui tire à sa fin. On va déjà dans les 19h et qui parle de 19h parle de mettre les bébés au lit. Je reprends encore ma grand-mère avec moi. Je l'amène direction dodo après de l'avoir mis en pyjama. Et une fois dans sa chambre, on ne manque jamais le rituel habituel qui consiste à allumer sa tortue qu'elle adore et de mettre un peu de musique parce que c'est notre Charlotte Dipanda de la maison. Quoi. Elle aime bien chanter. Donc, ouais.
Bonne nuit, grand-maman. J'ai la caméra qui rend l'âme dans quelque chose comme 2 minutes. Je suis posée. Il est quelle heure à ma montre? Il est quelque chose comme 21h30. Monsieur Pimpa encore en route. Il m'a envoyé quelques photos de lui. Et voilà. Les deux bébés sont au lit. Je me suis fait une salade fraîche comme ça. Je n'avais plus de tomates, malheureusement. J'ai oublié d'acheter les chéries tomates, les petites tomates comme ça pour ajouter à ma salade. Normalement, j'adore trop ce mets. Lorsqu'il fait chaud, les mini mozzarella comme ça, trop bon. Je n'oublie pas mon thé. Je suis placée là devant mon laptop en train de commencer à éditer tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'espère quand même que tu as kiffé le temps que j'ai passé avec toi. Demain, mes bébés rentrent. Je suis trop contente quoi. J'ai eu une semaine et demie de pur bonheur, relaxation. J'ai pas eu de maman dans les oreilles. Je vous ai dit que la caméra allait me lâcher, non? La caméra m'a lâché. Je filmais mon téléphone et sur ce, je vous dis de passer une agréable soirée. Moi, je vais continuer avec mes vidéos. J'espère que je vais pouvoir la poster dimanche. Elle sera en ligne. Je vous prends. Bye.